Les enfants, vous êtes prêts à prendre un bain? Dis shampoing, shampoing, tu dois mettre du shampoing. Oui, 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 je dois mettre du shampoing. Bien, bien, le shampoing est bon pour toi. Ouais, 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 j'aime bien ça. Du shampoing, du tout, du tout, du tout, du shampoing, du tout, du tout, du tout, du shampoing, du tout, du tout, du tout, du shampoing. Frotte-toi bien, le tout, du tout, du tout, frotte-toi bien, le tout, du tout, du tout, frotte-toi bien, le tout, du tout, du tout, frotte-toi bien. Du gel, tu dois mettre du gel. Oui, 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 je dois mettre du gel. Bien, bien, le gel est bon pour toi. Ouais, 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 j'aime bien ça. Du gel douche, tu 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 tu. Du gel douche, tu 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 tu. Du gel douche, tu 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 tu. Du gel douche. Frotte-toi bien le tududududu, frotte-toi bien le tududududu, frotte-toi bien le tududududu, frotte-toi bien. Serviette, serviette, tu dois prendre une serviette. Oui, 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 je dois prendre une serviette. Bien, bien, la serviette est bonne pour toi. Ouais, 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 j'aime bien ça. Une serviette du tu du 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 du, une serviette du tu du 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 du, une serviette du tu du 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 du, une serviette. Sèche-toi bien le tu du 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 du, sèche-toi bien le tu du 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 du, sèche-toi bien le tu du 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 du, sèche-toi bien. Très bien, on recycle pour sauver la planète et le tout dans un style super Zorro. Ces conducteurs ne me disent rien qui veille. Qu'en pensez-vous? En plus, ils me disent quelque chose. Direction l'usine de recyclage. Quoi? Le docteur Spooky? Mais oui, les conducteurs sont des spookers. Où les envoie le docteur Spooky? Non, ils mettent des déchets partout. Je vous en prie, arrêtez. Mon ami la taupe, regarde ce qu'ont fait le méchant Dr Spooky et ses sbires. Ils sont là, ces voyous. On doit aller chercher de l'aide. Et voilà, les meilleurs super-héros du monde. Les amis, on doit rester concentrés. Mais non, vous ne rêvez pas. Le Dr Spooky a encore fait des siennes. Quitte, montre-nous la solution sur ton ordinateur. Ah, il faut ramasser des déchets et les apporter à l'usine de recyclage. Aux capsules de transformation. On va sauver la planète.
Vas-y, Kangou, peins une énorme benne à ordures. Eh oh, on est là, bande de navets. Attrapez-nous si vous pouvez. Et pendant ce temps, Kangou va ramasser tous les déchets. Très bien, Kangou. Mais qu'est-ce que... Comme c'est agréable de recycler. Non, Spooky a appelé son robot. Monkey, Cathy, on va aider Kangou. Ah, on a de nouveaux alliés. Il faut qu'on réfléchisse à un plan d'urgence. Alors ça, c'est un piège. Génial. Vous êtes coincés, les nuls. Eh oh, petit robot, viens voir par ici. Et voilà, dans le mille. Mais que fait Monkey? Grillage super résistant. Voilà une bonne façon de recycler. Il ne manque plus que vous. Regardez ça. Cathy a attrapé un troupeau de nuls. Peu à peu, tout redevient très propre. Mais il reste encore un petit détail. Bon voyage et à la prochaine! Tu laves ton vaisseau, Dr. Spooky? Il était temps! Dis donc, pas comme ça enfin! Tu gâches de l'eau pour rien! Docteur Spooky, ferme le robinet si tu n'utilises pas le tuyau. Et les Spookers qui jouent? Dites donc, vous savez ce qui va se passer si on gaspille trop d'eau? Et voilà, super! Mille et une façons de gaspiller de l'eau. Vous n'êtes pas sérieux? Vous avez aussi des ballons pleins d'eau? Alors ça, c'est le comble. Vous asséchez le lac. Qui peut bien appeler la sirène? Oui, l'équipe Super Zoo. Réfléchissons à un moyen de résoudre ce problème. Il faut faire tout notre possible pour fermer le robinet. Comme ça, le lac redeviendra comme avant. Aux capsules de transformation. Cathy. Kangou. C'est pire que ce qu'on pensait. Ils sont là, ces chenapans. Non, résiste, équipe Super Zoo.
génial, Cathy. Tralalair. Cathy est invincible. Bien vu. Bonne idée, Monkey. Comme ça, l'eau ne jaillira plus du tuyau. Où tu vas comme ça, Docteur Spooky? Oh, on dirait qu'il y a trop de pression. C'est le moment de fermer le robinet. Et Cathy a encore gagné. Oh. Il faut fermer le robinet et tout de suite. Pile à temps. Pourquoi vous êtes fâchés? Mais bien sûr, il reste encore un détail. Quoi? Justice pour le Dr. Spooky. Bon voyage. Et oui, le lac est encore vide. Quelle bonne idée, Kangoo. La nature, dans toute sa splendeur, il n'y a rien de plus beau. Le travail en équipe, c'est tellement satisfaisant. On va fêter ça. Docteur Spooky, tu es invité, toi aussi. C'est que ça. Je n'avais jamais rien vu de si gras et dégoûtant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À quoi sert cette télécommande? Plus il tourne le bouton, plus la pollution sort de ses pots d'échappement. Regardez toute la pollution que le Dr. Spooky et ses sbires répandent. Et maintenant, ils vont couvrir la ville entière de leurs horribles nuages toxiques. C'est horrible. La Terre entière est recouverte d'une énorme couche de pollution. Empêche les rayons de soleil de passer. Ils sont coincés. C'est pour ça que la température augmente. Il fait si chaud que même les œufs brisent en une seconde.
et on peut oublier les glaces à l'eau. Le réchauffement climatique est arrivé. Je vous en prie, les super zoos. Aidez-nous. Il faut faire quelque chose. Ah ah, les arbres peuvent absorber la fumée des pots d'échappement et de la transformer en air pur. Alors, encore une fois, la solution est dans la nature. Allez les amis, il faut protéger l'environnement. Il est temps de faire une potion magique. À toi de jouer, grand-mère Granny. Aide-nous à résoudre ce problème. Un peu de stimulant ultrasonique de Granny, un filet de jus d'orange douce, bien évidemment. On ajoute un chouïa de cette mixture. Très bien. Zut! On dirait que ça ne fonctionne pas. C'est trop long. Et si on en versait un peu plus? Pas de doute, ça fonctionne. Et voilà vos super graines. C'est l'heure de sauver la planète Terre. Aux capsules de transformation. Regardez à quelle vitesse poussent les arbres que Cathy et Monkey plantent. C'est incroyable. Regardez, l'air se purifie. La nature est merveilleuse. Même si le Dr Spooky s'entête à polluer. Avec l'aide de l'équipe Super Zoo, l'environnement est toujours vainqueur. Quand on plante des arbres, on nettoie l'air et on embellit la planète. Comme c'est beau! Plus une trace de ton affreuse pollution sur Terre, Dr Spooky. Mais on a encore une leçon à te donner. Arrêtez, s'il vous plaît, bande de voyous! Respectez les panneaux de signalisation! Et là, doucement. Quelle bonne idée, Kangoo. Des moteurs électriques non polluants. Adieu pollution. Bonjour planète durable et propre. T'es rentré dans l'ordre. Adieu les tristémines. Bon, Dr Spooky, ta vue ne te joue pas des tours. La Terre est bien plus belle sans ces horribles nuages de pollution. On a encore une fois sauvé la planète Terre.